Oh. Tournez, tournez encore, sautez et atterrissez. Oh. Wow. Oh. J'ai l'impression que nous avons quelque chose de délicieux. J'arrive. Wow. Quelle saveur. Merci. Wow. Wow. C'est des hamburgers. Oui, une portion pour chacun. Oh, attrape les burgers. Oh, pas question. Mes miam-miam sont par terre aussi. Excusez-moi, je dois reprendre mes esprits. Je le pense aussi. Regardez ce que notre nourriture a devenu. Sans vrai gâchis. Oh. Oh, ça me semble bien. Oh. C'est une combinaison très inhabituelle de pop-corn et de burger à la marmelade. Les filles, voici l'idée d'un nouveau challenge de burger. Allons-y. La roue de la fortune est là. Oh. Et moi aussi. Waouh. Ça fait beaucoup d'options. Et tout ça pourrait finir dans mon burger. Emma, ne tire pas. Fais tourner. Je suis prête. La glace. C'est génial. J'ai hâte de goûter. Wow. C'est du chocolat aussi. Sophia, tu sais que ça sent bon. Pas de cuillère? D'accord, je peux le faire sans elle. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça. Garde ça pour ton burger. C'est de ça que je parle, la bataille des glaces. C'est à moi, donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Oh, heureusement, elle n'a pas volé jusqu'au sol. Mettons-le comme il faut. On dirait de la sauce. C'est à mon tour de faire mon choix. Oh! Où va-t-il? C'est ce que je comprends, maîtriser la téléportation. Je vais forcément trouver quelque chose de délicieux. Oh non, c'est de la moutarde! Oui, tu n'es pas en médium. Je ne vois rien de drôle. C'est très épicé. Rien que de regarder la moutarde, ça me donne chaud. Si je la mange, je brûle. Mais moi, j'ai eu chaud. Allez, beau gosse! Mets-le sur ton burger! T'en veux pas? Alors je le ferai! Oh. Emma, elle ne mangera jamais ça de sa vie! Bon, les gars, je dois faire tourner la roue de la chance! Observez, apprenez! La pâte de tomate? C'est pas ouf! Bien qu'elle soit meilleure que la moutarde. Je déteste les tomates. Encore moins les tomates en conserve. Comment ouvrir ça? Eh bien, essayons. C'est bon à manger, un peu aigre. Mais c'est assez bon dans l'ensemble. C'est parfait pour un burger. Je pense que c'est beaucoup d'amertume. Ça me fait même mal à la mâchoire. Oh! Et me revoilà. 1, 2, 3, 4, 5. Faites tourner la roue à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est un poisson en conserve qui pue. Oh. Je suis vraiment désolée pour toi, Emma. Ces sprats semblent trop gros. Beurk, c'est tout du beurre. Oh.
Quoi? Je ne serais pas contre un poisson comme ça. Oh, comment tu fais cela? Je vais envoyer ça dans mon burger, juste au-dessus de la glace. Ah, maintenant mes mains sentent plus poisson. Nous devons les effacer rapidement. Tu es tellement drôle, Emma. Oublie ton poisson, regarde ça. Jacques est de retour dans les affaires. Dans léger mouvement de la main, on tourne la roue et on obtient des saucisses. C'est très bien. Je veux déjà les manger. Tout comme je les aime. Chaude. Armons nos instruments. Oh. Emma, je pense que tu peux faire mieux avec eux. Tu veux bien m'aider? Bien joué, Jacques. Je vais les découper et mettre une épaisse couche de moutarde juste là. Je suis fatiguée de regarder cette tendresse. Il est temps de choisir quelque chose pour moi. Oh, wow, c'est une guimauve. T'as une main chanceuse. J'adore ces guimauves. Je suis prête à en manger des tonnes. Je vais en prendre un autre et encore un autre. Oh, c'est tellement bon. D'accord, je vais en garder un peu pour le burger. Si vous aimez la guimauve comme moi, mettez un j'aime. J'attends. Je ne me tromperai pas cette fois-ci. Je dois juste trouver quelle force doit faire tourner la roue pour calculer sa vitesse. Je crois que je l'ai. Allons voir. Emma, ta formule était mauvaise. Quelle malchance. Maintenant, nous devons manger ce fromage puant. Poisson qui pue. Fromage qui pue. Mon burger va bien sentir. Ne serait-il pas préférable que vous fermiez votre nez? Oh! Oh, mais c'est une excellente idée, en fait. Prenons le risque. C'est délicieux. En voulez-vous? Non, n'oublie pas qu'il n'y a pas de pince à linge sur notre nez. Très bien, je vais ajouter le reste à mon burger. Une odeur de tuerie. Je refuse de le tolérer. Oh, je vais prendre une petite respiration. La marmelade, ça sent bon. C'est un ours en gelée géant. Je n'ai jamais vu un comme ça. Il est si mignon. J'ai tellement envie de le manger. Allez, les filles, c'est mon ours. Hey. Je ne peux pas m'empêcher. Il faut que j'essaye. Tu n'es pas la seule, Emma. Qu'est-ce que t'as dit, Sophia? Donne-moi ça. C'est à moi. Non! Crash maintenant! Ne touche pas à l'ours! Il est temps de mettre fin à cette guerre! Comment aimez-vous ces ours? Pour un burger, ils ont une taille parfaite! Moutarde, saucisse et ours! Ça va être une saveur très inhabituelle! Et j'essaierai encore, car vous ne pouvez pas m'attraper! Je suis là, les gars! Comment je vous ai eu? Oh,
Je crois que je me suis étouffée. Piégée? Détendez-vous, c'est bon. Waouh! Ce sont des chips! Ah. Et ça, c'est ce que j'appelle de la chance. Mmh, sont parfumés. Tout ce que j'aime. Mmh. C'est aussi très bon. Mmh. Je veux vraiment l'essayer. Demandons à Sophia. Mmh. Des chips? Quel genre de chips? Ils sont déjà sortis. Il n'en reste qu'un petit peu pour le burger. Je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Dernière chance pour obtenir quelque chose de bien. Les olives ne sont pas bonnes. Oh, pas de chance! Je suis prête à accepter mon destin. Les olives? Les olives. Oh non, je crois que j'étais trop pressée. Je ne sais pas comment m'approcher d'eux. Emma, allez, crois en toi. Et alors? Je crois que je me suis cassée une dent. Il y avait un os dans l'olive. J'ai fini. Le reste va au burger. Bon, tu finis? Et je vais faire mon choix pour l'instant. Je me demande ce que c'est. Du citron? Je n'ai jamais vu de citron mis dans les burgers. Il est difficile de manger sans raison. Sophia, t'as raison. C'est une vraie bombe aigre. Je suis sûre que c'est le cas. Ma mâchoire me fait mal. Tout ce qui lui reste, je vais mettre dans le burger. Voyons comment ça va être avec les autres produits. Bonne chance, je devrais probablement y aller. L'important est de ne pas s'inquiéter et de croire en la chance. Ça marche! Exactement, la pastèque est une vraie chance. Regardez comme c'est juteux et mûr. Et c'est aussi très doux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un os. Cela m'a donné une idée intéressante. Attention, l'attaque des os de pastèque a commencé. Haha, vous auriez dû vous voir. C'est hilarant. Tiens, j'espère que t'en auras aussi. Pourquoi t'es si en colère? Je plaisantais. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter la pastèque au burger et c'est tout. Regardez les burgers inhabituels que nous avons faits. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Maintenant, vous pouvez l'essayer. Allons-y. Quelle étrange combinaison de produits. Pâte de tomate et guimauve. Je n'aime certainement pas ça. Au moins, vous n'avez pas une tonne de moutarde dans votre burger. Mais dans l'ensemble, cela s'est bien passé. Ça va pour moi aussi. Mais je préfère le burger ordinaire. Waouh, Jacques, t'as tout mangé? Pourquoi ne pas prendre mon burger aussi? Je dirais pas non. C'est très bon. Je le recommande.
Quel appétit! Je pense qu'il peut tout digérer. Prends aussi ma part. Il n'y a jamais beaucoup de burgers. Je pense que c'est le meilleur challenge du monde.